Rebonjour. Dans cette exposition, j'ai voulu aussi amener avec moi une partie de mon atelier. Dans mon atelier, souvent, je vais faire une fois que les dessins ont été préparés, parce que je prépare toujours mes dessins d'abord sur Canva, je vais finaliser certains détails sur les tables. Donc, si on a des photos, des tables d'acier sur lesquelles je vais travailler pour aller chercher les détails de finition des tables, comment on va faire. Dans les dessins, on va souvent retrouver là, les petits personnages qui donnent l'idée de la dimension. Ensuite, on va avoir les pièces comme ici, on va avoir à ce moment-là vraiment une première étude en acier pour voir qu'est-ce que ça peut donner, regarder d'un bord et de l'autre, pour pouvoir y arriver. Sur le concept d'atelier, j'aime bien avoir beaucoup de dessins, de plusieurs pièces en même temps, de façon à. Quand je travaille à l'atelier, je peux souvent être en train de travailler sur 7, 8, 9, 10 pièces en même temps qui vont avancer les unes après les autres, mais qui vont tous démarrer enchevêtrées l'une dans l'autre. Je ne travaille pas une après l'autre, mais bien un ensemble de pièces. C'est pour ça qu'on retrouve certaines lignes, comme plusieurs qui risquent d'être pas similaires, mais qui se ressemblent énormément, parce que je suis en train de développer avec. Cette matière-là, ces matériaux. Et c'est aussi en lien souvent avec ce que je vais trouver dans les fameuses cours à scrap, dans les endroits où on peut récupérer du métal qui a déjà servi. Et je vais faire plusieurs études pour arriver à une pièce finale.